Alors bonjour tout le monde, ben ça fait tout drôle à la maison, hein. Bernard est parti à l'école, comme ça fait un peu vide, mais bon voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. J'espère que vous avez passé un bon week-end les amis. On va commencer le tirage, hein, comme d'habitude, si mademoiselle elle veut bien arrêter de faire ses bêtises, ça serait pas mal. On va la laisser comme ça. Hein. Bon, c'est vrai que vous voyez pas comment je fais que je compte les cartes, mais bon, je vais pas m'amuser à bouger la caméra. Hein, à tout va, j'ai déjà du mal à la mettre en place. Voilà. Hop. Bon, vous voyez déjà le mélange, c'est déjà pas mal. Alors, on y va. Demi, bébé, Eric, Marlène, Madidina. Loup blanc, Sissi, Bernard, le 7. 7. Et nous avons le pape en vert. Dany, le 3. 2, 3. Le soleil en vert. Bah, vous le voyez à l'endroit, mais moi c'est à l'envers. Hein. Claudine, Ludovic, Fred, le 10. Et merde. La force en vert. Ouais, je vais me coucher. Aurel, Simone, Matou, le 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop, ma souris qui me gêne. L'impératrice en droit. Bruno, Françoise, le 2. 2. Le chariot en vert. Encore. Non, bon. Yanis, le 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le monde en vert. Soleil Stéphane le 1. Le Butler en droit. Bernadette Christine Filou le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La roue. En vert, donc il n'y a pas de changement pour l'instant. Ben, en même temps, de toute façon, on est encore en attente d'un Premier ministre. Hein. Bienvenue à Mamie Clo-Clo. Désolé, excusez-moi. Et Violaine, le 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh oui. Et nous avons l'étoile en droit. Alors, moi personnellement, bah, de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, je le répète, on est en déclin énorme, il n'y a pas de changement pour l'instant. C'est vrai qu'on a quelques espoirs de voir ce qui va se passer à la suite des événements par rapport à la rentrée. Hein. Je vous rappelle qu'il y a déjà pas mal de manifestations et de grève de prévu. Là, samedi, normalement, il y a les filles qui manifestent avec différents syndicats. À partir du 10, normalement, c'est les maîtres et maîtresses de primaire et maternelle qui se mettent en grève. Je pense que la SNCF, etc., vont suivre derrière. Voilà. Donc moi je dis que ça va être un sacré bordel à partir de bientôt là. Et bon, ça va pas apporter beaucoup de changements, hein, comme d'habitude. Mais voilà. Maintenant, faut attendre de voir ce que ça va donner avec le Premier ministre. Hein, on l'attend toujours. Ça fait quand même 2 mois.
Ça commence à devenir un peu long. Surtout qu'à plus aujourd'hui, Macron reçoit Hollande et puis Sarkozy. Ses maîtres, on va dire. Sachant que Hollande a été élu. Alors là, c'est ce qui m'a tué quand je l'ai su. Il a été élu député. Bah ouais. Voilà. Le mec qui fout la France dans la merde. Et il y a des gens qui ont voté pour lui. Non mais vous êtes pas bien les gens ou quoi là. Enfin bref. Donc voilà pour la France. Bah faut, on va dire, rester un petit peu dans l'expectative des choses. Excusez-moi, j'ai la crève. Ouais, j'ai réussi à choper la crève. Donc bah là, bah, faut malheureusement attendre la suite des événements, comment ça va se passer. Mais pour moi, de toute façon, ça va être un sacré bordel en France. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Il va y avoir un peu de grabuge incessamment sous pneu, comme je dirais. Hein, la France est sous pression. Mais pour un pneu, c'est normal. Nini qui a fait que réagir à ma connerie. Enfin bref. Donc voilà. Donc attendez-vous quand même que ce soit un sacré bordel pour le mois de septembre. Sur ce, à tout à l'heure, 14h, pour le live.